Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des radis blancs, des brocolis avec du pamplemousse. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a ici l'Alpro Gohan, qui est une alternative végétale au fromage frais, du brocoli, pamplemousse, du daikon, vous le connaissez, hein, c'est le gros radis blanc asiatique, une pomme verte, un citron jaune, un petit peu de coriandre et un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, le principe est très très simple, puisque c'est une recette qui se prépare à cru. Alors, on va commencer par préparer le brocoli. Alors, regardez, si vous coupez très près des fleurs, des sommités, en fait, regardez ce que vous obtenez. Petite comme ça, semoule végétale. Donc ça, surtout, vous ne le jetez pas. Ce que vous faites, c'est que vous le coupez ici, vous épluchez un petit peu, vous le cuisez à la vapeur et vous le dégustez avec un petit peu d'Alpro Gohan, simplement additionné de jus de citron et d'huile d'olive. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la pomme, avec la peau, bien sûr. On verse dans le petit mixeur avec nos petites sommités de brocoli. Vous voyez, on fait par impulsion, en fait, de façon à maîtriser et à contrôler la taille du résultat. Ça, c'est important. Hein. Un petit peu de coriandre, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le demi-jus de citron. Ça, c'est la texture qu'on obtient. On verse dans un petit saladier. On va rajouter maintenant l'Alpro Gohan, une première cuillère et une deuxième cuillère. On mélange. Alors bien sûr, on n'oublie pas de rectifier l'assaisonnement. Le pamplemousse, on coupe les 2 extrémités, vous voyez, de façon à juste arriver à la chair. Et là, on va venir éplucher à vif, c'est-à-dire enlever la peau blanche en suivant à chaque fois l'épaisseur. Voilà, et maintenant on va faire ce qu'on appelle lever les segments. On se rapproche de la partie blanche ici et on glisse entre les deux, regardez. Hop. Alors on a nos segments de pamplemousse, la farce, le jus de pamplemousse, qu'on va tout de suite additionner un petit filet d'huile, le radis blanc. Alors pour ça, vous vous munissez de votre mandoline. On va commencer le dressage. Là, on va mettre nos fines tranches sur le dessus, un petit pamplemousse, et là on vient, hop. Alors ça vous donne des sortes comme ça de petites ravioles ouvertes, hein. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez votre petite vinaigrette que vous avez réalisée avec le jus, et on vient terminer avec, sur chacune, une seule feuille, hein, parce que c'est quand même puissant, il y en a déjà dedans. Alors voilà encore une idée très très simple à réaliser, sans cuisson, et donc n'hésitez pas, écrivez vos recettes, photographiez-les, vous nous les envoyez et on les publiera bien sûr sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !